Salut, salut la grande famille, c'est encore moi Rossi Bejo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Bref, la famille, franchement, voici une jeune dame qui va nous parler de sa vie, son passé et aujourd'hui, nous sommes dans le présent. Elle dit, grâce à moi, grâce à mes vidéos, et aujourd'hui, elle croit ce qu'on appelle la sorcellerie. Avant, elle ne croyait pas, elle ignorait beaucoup. Mais aujourd'hui, elle constate que oui, mes vidéos lui ont donné la force. Mes vidéos lui ont donné le courage de mieux comprendre ce qu'on appelle la sorcellerie. Avant, elle est sortie avec un blanc. Et ce blanc-là, tout fait. Un blanc riche. Et aujourd'hui, sa vie a basculé. Mais Dieu ne dort jamais là. Aujourd'hui, elle se retrouve en Europe. Elle dit, ça fait deux fois, elle a eu son visa. Visa en Afrique pour avoir visa pour l'Europe, c'est comme c'est comme un nouveau-né. C'est comme c'est ta première fois d'avoir un enfant. Demain, tu es heureux. C'est comme ça. Elle a eu visa deux fois dans sa vie. Mais quand ça la répond, on dit le nom là ne figure pas. Et puis on dit ton visage là même ne correspond pas à celle de la photo du passeport. Ah! Comment on peut faire ça? Tu as ton visa et tu as ton passeport. On dit à l'aéroport pour voyager, on te dit non. Ton visa, toi, mais ton visa est visa, tu es si passeport à ça. C'est pas la même chose. Ouais. On peut faire ça, dama. On peut fatiguer quelqu'un comme ça. Elle dit elle a payé Baka. Baka qu'elle a payé pour gérer les dinars, les masala. Mais ça n'a pas marché même. Ça n'a pas. Elle dit, elle est guérie. Elle dit, bon, d'accord, je vais confier ça à mon frère guérie aussi. C'est là, mais elle a tout. Elle a tiré en l'air. La famille, on va écouter sa petite. Surtout l'audio d'abord, bien avant que je vais rentrer dans le but du sujet. Interpellez mes frères et sœurs. Vous qui faisiez confiance à vos familles. Vous qui donnez vos cœurs à vos familles. Venez. Je pense que mes vidéos peuvent vous donner la force. Mes vidéos peuvent vous donner encore une manière de réfléchir autre chose. Et autrefois. Et autrement aussi. Prenez ce qui est bon. Jetez ce qui n'est pas bon. On est dedans. Donc la famille, on va écouter ensemble l'audio bien avant que je vais rentrer dans le but du sujet. Voici ça. Bonsoir mon frère, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Moi, je vais très bien par la grâce de Dieu. Je te laisse ce message pour te dire merci pour toutes les vidéos que tu mets sur Facebook pour nous ouvrir les yeux. Vraiment, quand on te dit, quand on écoute certaines vidéos, les gens pensent que c'est du montage, les gens pensent que la sorcellerie n'existe pas. La sorcellerie existe bel et bien en Afrique. L'Afrique est ses ministères. Nous, on est très doués à faire le mal, mais on ne sait pas réparer. Nous, on était 15, on est resté 7 aujourd'hui dans la famille. Dans la famille, je suis la seule à ne pas aller à l'école. Mais Dieu m'a fait la grâce de rencontrer vraiment des personnalités. Visa qui ne gagne pas. Moi, j'ai déjà eu visa au moins deux fois comme ça. Quand j'arrive à l'aéroport, on dit peut-être que si mon passeport là, c'est pas pour moi. On m'y ramène à la maison. Mes frères et sœurs, eux tous, ils ont fait des grandes études. Mais il n'y a personne qui travaille. Je suis la seule. Et plusieurs fiançailles, beaucoup de déceptions. La preuve en elle, j'ai croisé un blanc milliardaire. Il m'a enceinte, il m'a laissé à la vente là. Quand il est venu se présenter dans la famille, ce conseil, il est parti. En 2018, quand j'ai croisé mon mari actuel qui m'a fait venir en France, quand il m'a déposé, on a fait la dot. Le blanc s'est évanoui. Il est resté sec dans ma main là. Il a failli faire la prison. On a prié pour blanc là jusqu'à ce qu'il est guéri, il est revenu chez lui. Le blanc a acheté 7 voitures pour me donner. Les voitures là, le gérant m'a rendu malade. Je me suis retrouvée à la folie quelque part dans un village. Je suis restée là-bas 2 ans sans les nouvelles de mon mari. Et c'est dans prier chez les hommes de Dieu. Là. Dieu m'a fait la grâce que la folie ait quitté sur moi. Et puis mon mari s'est rappelé qu'il avait une femme en Afrique. Et puis il est venu, il m'a fait mariage. Quand on est arrivé là en France, j'ai eu la grâce. Parce que j'ai donné ma vie à Jésus. Parce que depuis le temps de nos aïeux, il n'y a pas quelqu'un qui s'est marié dans nos familles jusqu'à aujourd'hui. Je suis la première qui a ouvert la porte. Et celles qui ont donné leur vie à Jésus, elles ont commencé à se marier. Dieu existe réellement. Dieu, il existe. Et Marie qui m'a fait venir en France, là. Comme ils savent qu'ils ont tout fait, ils ne m'ont pas eu.
Ils ont commencé à posséder mon mari. Mon mari a séquestré tous mes papiers. Le blanc, il a commencé à me frapper. Souvent, il m'étrangle. Et puis après, c'est comme si son esprit revient en lui. Et puis, il demande, mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi j'ai essayé de te tuer? Lui-même, il ne se rappelle même pas de ce qui s'est passé. Ici, en France, j'ai failli faire la prison. J'ai perdu tous mes biens, toutes mes voitures, tout. Quand j'ai récupéré mes voitures dans les mains d'anciens gérants, j'ai donné à un guéré pour gérer. Le guéré, là, il allait garer toutes mes voitures, mon frère. Tout est pourri. Actuellement, là, imagine, quelqu'un qui a marié blanc, qui a aisé, aujourd'hui, je me retrouve au foyer. Mais comme Dieu, il est Dieu, il ne nous abandonne pas. Il nous connaît. Mes frères, la sorcellerie existe. Les mystiques existent. Quand tu viens de l'Ouest, si tu n'as pas Jésus, ta vie est finie. Si tu donnes ta vie à Dieu, c'est sûr que Dieu, au moins, il peut t'ouvrir les portes. L'homme ne peut rien faire pour t'étonner quand tu viens de l'Ouest. Moi, je suis guérie. Je sais de quoi je parle. Combien de personnes qui ont eu des diplômes dans nos familles, aujourd'hui qui dorment avec les documents. Tous les jeunes de chez moi au village, tout le monde est misérable. Mais à chaque année, là, on s'en fait adoration. Les parents, là, ils adorent ou ils adorent. Mais personne n'avance. Mon frère, merci beaucoup pour ton émission. Que Dieu te bénisse. À travers ton émission, là, il y a des choses que nous, moi, pour moi, c'était normal. Avant, quand les trucs comme ça arrivent, là, il dit, bon, c'est passé, nous, on n'a pas de chance. Mais c'est à travers ton émission, là, que Dieu a ouvert mes yeux. En tout cas, merci beaucoup, mon frère. Bref, la famille, nous tous, on a écouté ce que nos sœurs ont passé comme message. Vous savez, dans la vie, ça avant les gens, si tous nos grands-parents nous expliquaient des choses qu'ils ont vécues. Et pour cela, quand on dit oui, il y a un vieillard qui vient parler de son passé ou ça, qui veut expliquer une histoire, on s'en cherche des tabourets et on vient s'asseoir et puis on regarde dans sa bouche ce qu'il va nous dire. Quand ça fait peur, on est là, on essaie de fermer nos oreilles. Mais quand c'est chic, c'est là, mais on ouvre nos yeux et puis on le regarde. On écoute aussi. Un jour, on peut aller aussi expliquer. Mais de nos jours, maintenant, ça n'existe plus. De nos jours, ça n'existe plus. Voici des personnes qui sont sur cette terre, qui ne veulent pas l'évolution même de son prochain. Les sorciers. Eux, ils n'aiment pas voir l'évolution de leur prochain. Eux, ils n'aiment pas ça. Eux, mais c'est leur totem tient là. C'est-à-dire, dans la famille, celui ou celle même qui pourrait vraiment devenir quelqu'un, on bloque son étoile. On bloque son étoile. Et puis, on voit quelqu'un en train de souffrir. Et puis, c'est les mêmes encore. Tu vas lui demander de l'argent. Imaginez-vous cette dame. Elle dit, elle n'est pas là à l'école. Regardez très bien dans la vie. Quand on s'assoit et puis on réfléchit, ceux qui ne sont pas là à l'école, c'est eux-mêmes, je peux dire, c'est eux-mêmes qui réfléchissent mieux même que ceux qui sont là à l'école. Il n'est pas dit, c'est pour cela que ne mettez pas vos enfants à l'école. Hein. Souvent, ça, c'est les situations qui provoquent aujourd'hui nos frères ou nos soeurs ne sont pas arrivés ou ne sont pas là à l'école. Donc, mettez ça dans vos têtes. Ne dites pas que oui, Rossi dit, ceux qui ne sont pas là à l'école, c'est eux qui deviennent quelqu'un dans la vie. Je n'ai pas dit ça. Mais la majorité, regardez, cette fille-là, s'il n'y avait pas la sorcellerie derrière elle, ou son homme a payé des massas, des voitures de transport pour elle-même, pour son entreprise. Aujourd'hui, la famille allait bénéficier. Regardez les cas qu'on appelle une chose à UTB. Nzika, ce monsieur qui est mort, aujourd'hui il est mort, là, il a laissé héritage à qui? À ses parents, à sa famille. Mais nous, ce n'est pas ça. Nous, ce n'est pas ça. Si tout même, l'Ouest même, là, ce n'est pas ça. Je ne sais pas, les sorcelleries, ils prennent ça comme pommade, ou ils prennent ça comme amusement. Bloquer vie de quelqu'un. Et puis la personne avance, mais puis ils sont là, et puis ils sont contents. Et puis c'est les mêmes qui font semblant de dire, eux font pitié. Ou soit, c'est toi ta souffrance, vous partagez ça ensemble. Eux, ils font semblant de te faire croire que eux, là, eux, ils partagent vos souffrances là ensemble. Regarde, c'est eux qui sont à la base de ça. Tu attends, mon fils, ma fille, ça va? Hé, maman, hé, tante, hé, papa, ça ne va pas? Hé, pourquoi ça ne va toujours pas? On prie toujours, on sort à l'église. Seigneur, tu es où? Oh, c'est les mêmes encore, tu sont derrière. Quand ils finissent de parler avec toi, là, c'est eux qui se tournent le dos pourri. Maintenant, toi, tu es malade. Tu vas comprendre, tu penses que quoi?
Nous, on n'est pas arrivé là-bas, tu penses que c'est toi, tu vois. Mais chacun a sa vie. Vous avez échoué. Ou soit c'est en bas âge qu'on vous a donné la sorcellerie. Et vous avez accepté. Vous n'avez pas dénoncé. Vous êtes dedans. Vous gagnez vos vies dedans. Mais laissez les autres qui ne sont pas dedans. Laissez les autres s'épanouir. Et s'épanouir. Vraiment, je me suis blessé. Il y a balle perdue qui s'est passée là. Prenez ce qui tient bon. Laissez ce qui n'est pas bon. Laissez les gens s'épanouir. À cause de vous, les gens ont peur. À cause de vous, les gens même ont peur de vous présenter leurs enfants pour dire « Papa, maman, les oncles, voici mon enfant qui est là. » Ils ont peur. Parce qu'ils ont peur, pourquoi? Si on vous présente leurs enfants, soit vous allez les tuer, ou soit vous allez les initier parce que vous n'arrivez pas au moins à distraire, ou soit à détruire la vie de l'autre. Donc vous allez initier leurs enfants pour que vous, là même, ces cibles faciles qui sont là pour vous. Mais vous pensez que ce que vous faites là, c'est bien? Cette dame-là aujourd'hui, regardez ce qu'elle a traversé dans son passé. Aujourd'hui, comme cela, si elle était arrivée, si vous l'avez encouragée, si la sorcellerie ne vous a pas embellie, si la sorcellerie ne vous a pas donné au moins, je ne sais pas si c'est quoi la gloire de ce que vous voulez là. Aujourd'hui, vos familles là, les gens allaient taper leur poitrine pour dire on a eu nos soeurs. Grâce à nos soeurs aujourd'hui, regardez, nos familles, on parle de nos familles. Mais aujourd'hui, ce n'est pas ça. Hélas, ce n'est pas ça. La famille n'avance pas, la famille ne recule pas, la famille est bloquée comme ça. Prions, prions, prions chaque soir, chaque matin, chaque... Vous êtes. Priez, priez, priez où vous êtes. Même si tu es dans l'ogologo, il faut prier, tu vas avancer. Ne restez pas là pour dire, oui, on va faire ceci. Maintenant, il n'y a plus confiance. Toi-même, il faut te poser des questions. Moi, mais je ne me fais plus confiance. Arrêtez de faire confiance à vos parents pour inutilement. Parce que c'est les mêmes parents encore qui vous créent des problèmes. Je vous le dis. Et là, je vous le jure devant Dieu, devant la terre. C'est les mêmes parents encore qui vous créent des problèmes. D'autres me disent, j'ai fait confiance à ma maman, j'ai fait confiance à ceci, j'ai fait confiance à ceci. Elle a fait confiance à sa famille. Je crois que oui, elle va confier au moins tout ça à sa famille. Au moins cela, elle est là-bas, sa famille peut gérer pour payer les cul magiques, pour payer un peu. Mais zéro. Cette femme-là, aujourd'hui, son message-là, ça va interpeller beaucoup de personnes. Ça va aider beaucoup de personnes. Ça va être, il dit, Dieu d'une personne ou deux personnes va être déjà ouvert là. On est déjà dedans. Vous apprenez ce qui tient bon. Ouvrez. Vos yeux vont être ouverts. Vos yeux vont être ouverts. Il dit, prenez ce qui tient bon. On est dedans. Est-ce que vous comprenez? Il y a des choses aujourd'hui, cette dame-là, elle ne peut plus faire ça pour sa famille. Or, il y a d'autres aussi qui sont victimes de ça. Il y a des gens qui sont victimes de ça, ils ont peur d'aider leurs parents. Il y a des gens même qui sont en Europe, ça fait combien d'années ils sont en Europe? Les gars tournent en rond. Mais celui qui vient de rentrer tout à l'heure, 6 mois, 1 an, il a les papiers. Tu attends 2 ans, 5 ans seulement, tu attends que, il est en train de construire au pays là-bas. 10 ans, on dit, ouais, le gars là, il fait la navette maintenant, il gère ses business. Mais toi, tu tournes en rond. Toi, tu tournes en rond. Tu es en train de tourner en rond. Tu tournes en rond. Rien n'avance. Tu te poses des questions. Mais attends, moi ici, ne comment. Et puis, c'est moi. Moi, mes trucs n'avancent pas. C'est tes parents qui sont derrière. C'est tes parents même qui sont derrière. C'est tes parents même qui ne veulent pas que toi-même tu avances. C'est tes parents même qui ne veulent pas. C'est eux qui te regardent et puis c'est eux qui se moquent de toi. Sinon, quelqu'un qui aime ses enfants. Quelqu'un qui aime au moins l'enfant de son frère. Regardez. Regardez. Les gens ont peur. Au 21e siècle, les gens ont peur de leur famille. C'est avant, on tapait nos poitrines. Moi, je suis fier de ma famille. Je suis fier de ma famille. Mais aujourd'hui, c'est plus ça. Toi-même, quand tu es parti, il y a un œil même à ta famille. Tu fais quand. Moi, je ne sais même pas qui est dedans ou qui n'est pas dedans. Tu te poses et tu dis qui est dedans, qui n'est pas dedans. Tu te poses la question. Et vous qui êtes en Europe là, faites beaucoup très attention. Faites beaucoup très attention. Voyez le petit conseil que je voulais vous donner. Dans vos familles là, vous prenez des gens comme pour dire non, voyez telle personne que moi j'ai dû faire confiance. À cette telle personne ne peut pas me trahir. Telle personne ne veut pas faire ceci, ne veut pas faire cela. Ma chérie, mon frère, ouvre tes oreilles, je vais te parler. Tu ne sais pas la personne, les sorciers là, quand ils sont dans leur confrérie là. Les gars font semblant. Si les gars n'arrivent pas, ou soit ils vont envoyer quelqu'un que toi tu aimes.
Quelqu'un que toi, tu passes par lui pour causer, pour... c'est la personne même en avant en mission. Tout ce que tu vas lui dire là, c'est comme ça tes trucs se bloquent. C'est comme ça tes trucs te bloquent. Et puis toi, mais tu te poses la question, mais qu'est-ce qui se passe même? Tu ne te rends pas compte que à celui même toi, tu viens te confier là, il est dedans aussi. Même s'il n'est pas dedans, sa bouche aussi parle, blablabla. Il va dire à quelqu'un là, la personne aussi va dire, c'est fini, on bloque ta vie. On bloque tout ce que tu voulais faire comme projet. Arrêtez de parler à ceux qui sont. Vous pouvez appeler vos parents. Mais vos projets même, arrêtez ça. Arrêtez même de dire que vous allez dire quelque chose de vos projets. Arrêtez même de dire que vous allez prononcer même un mot même de vos projets. Fermez ça et puis parlez d'autres choses. Ah, ça va, oui, ça va. Oui, mais aujourd'hui, c'est gâté, hein, c'est pas bon ici. Il faut dire toujours ça va pas. Quand ils disent ça va pas, dans les textes là-bas, ils sont contents. Ah, ça va pas, on l'a eu, c'est ça même on veut. Oh, chez toi, ça va. Faites semblant de dire ça ne va pas, vous allez voir, vos vies vont changer. Mais quand vous êtes là, ça ne. Oui, aujourd'hui ça va, hein. Ah oui, aujourd'hui ça va, hein. Quand tu vas dire ça ne va pas là, ce n'est pas pour dire non que parce que toi tu as dit ça ne va pas devant un sorcier ou devant ton ennemi, devant quelqu'un que ça ne va pas aller chez toi, jamais. Tu dis dans ton cœur, Seigneur, ce qui est cela dit là, toi, mais tu vois que ce qui est cela dit là, c'est faux. Mais je vais leur faire croire que ça ne va pas chez moi. Seigneur, pardon. Tu leur dis ça ne va pas. Mais vous êtes là. Oui, ce petit truc. Ouh, ça va. Oh. Nous, chez nous, ici, ça va. Oui, neige, même temps de neige est arrivé même. Et on tournait un peu. Et on fait ceci. Quelqu'un, mais tu ne vois pas neige. Toi, tu lui dis non, que 8 ans de neige est arrivé. Ouf, on va vous prendre. Oh, chez eux, on appelle ça un matin. Quoi si ou quoi, Dieu ou Kona. Ou soit Siri ou tape ou Dibe. On voit Ali. Garasuba. On voit Awa. En train de passer dans la neige. Imaginez-vous ce qui tu vas sortir. Et quand il parle comme ça, c'est les fumées qui sont en sa. Là, c'est fumé, André, quelqu'un qui a fumé. Deux paquets. Oh, 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 oh. On est dedans. Et les sorciers, moi-même, je vous comprends pas. Hein. Vous, une minute, vous êtes en Europe. Mais vous, qui voulez aller là-bas, là, mais si vous partez là-bas, restez. Moi, il ne sait pas quoi. Moi, ça là me plaît, là-bas, je vais aller là-bas. Mais dès qu'il m'en verra, il dit, moi, je ne viens plus dans vos trucs, restez dans vos Africains, moi, je reste en Europe. Mais vous faites une minute, van. Et puis, c'est vous voyez même, quand vous partez là-bas, les souffrances, vous ne voyez pas. Hein. Vous ne voyez pas les souffrances que les gars traversent là-bas. Vous voyez ça. Et puis, vous partez accumuler encore. Arrêtez ça. Ils ne sont pas nés dans la neige. L'Africain n'est pas né dans la neige. L'Africain n'est pas né dans côté soleil ou côté neige. Non. L'Africain, on est né dans beau temps. Mais aujourd'hui, souvent, ça, quand ils arrivent là-bas, tantôt les gars sont dans la neige, tantôt les gars sont dans. Ils sont paniqués, mais les gars s'adaptent. Mais vous voyez les souffrances, vous venez bloquer, vous voulez fermer le robinet. Mais réfléchissez quand même. La famille, vraiment, j'aimerais m'arrêter là. C'était pour vous dire non, que oui, on peut faire confiance à nos familles, mais pas à 100%. Évitons de donner nos vies ou soit de nos projets. Expliquer nos projets à nos parents. Soit ou celui même que tu dis dans ta famille, c'est ton bras droit là. Mon frère, arrête, nous, ma soeur, arrête mais de lui dire tes projets. Sinon, tu ne sais pas que c'est la personne mais qui a la base aussi. C'est lui même qui donne les informations. Même s'il n'est pas sorcier, mais quand même, il donne les informations à toi, mais tes ennemis. Arrêtons ça. La famille, vraiment, j'aimerais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi, je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous, on a ça.